Bonjour mes chers apprenants et bienvenue dans ce cours de lecture destiné aux élèves de la troisième année primaire. L'eau sur notre planète. Objectif, lire un texte informatif. Unité 5, semaine 2. Voici le texte, le titre. L'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants. Mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la réserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage. Justement. Je lis et je comprends. Entoure le mot qui correspond au dessin. Le dessin correspond à eau, ou bien à la terre, ou bien au ciel. Je lis les phrases et j'écris vrai ou faux. La première phrase, la phrase 1. L'eau recouvre une petite surface de la Terre. La phrase B. L'eau douce se trouve en grande quantité. La phrase C. Il est important de réserver l'eau. Très bien, mes chers apprenants, vous avez répondu aux questions. Passe à la correction. Entoure le mot qui correspond au dessin, l'image qu'on a sur le livre ou bien sur cette présentation, c'est correspond à la terre. Deuxième question, je mets vrai ou faux devant les phrases correctes ou bien fausses. L'eau, la phrase A, l'eau recouvre une petite surface de la terre. Faux. L'eau douce se trouve en grande quantité. Faux. Il est important de réserver l'eau. Vrai. Je passe maintenant à la troisième étape. Je lis et j'écris. J'écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il préserver l'eau douce? Pourquoi faut-il réserver l'eau douce? La deuxième question complète la phrase avec les mots mer, grande, salée, océan. L'eau, des pointillés, se trouve en, des pointillés, quantité dans les, des pointillés et les, des pointillés. Alors, je mets à la place des pointillés, les mots correspondent. Alors, je vois la correction. Première question, écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il réserver l'eau douce?
L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants. Complète la phrase avec les mots mer grande, salée océan. Alors, la phrase complète est l'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. Merci, mes chers apprenants, pour votre attention. À très bientôt.